Nous avons signé pour la première fois un partenariat global entre une grande ville et la Caisse des dépôts et consignations. C'est le premier partenariat global que nous signons. C'est un partenariat qui a pour but d'accompagner dans son développement démographique, urbanistique, universitaire, culturel, pour des investissements économiques, sur le renforcement de l'attractivité, d'accompagner la ville de Reims et sa métropole. Donc voilà le but de ce partenariat. C'est un engagement de principe qui sera suivi en fonction des projets d'investissement de la Caisse des dépôts dans ces projets que nous sélectionnerons en commun entre la ville de Reims et la métropole et la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts, je le dis également pour Invest in Reims, a également pour but de contribuer au développement économique de Reims et de la métropole et d'intervenir et d'aider, ainsi que la nouvelle banque publique d'investissement, de faire en sorte que nous soyons auprès des acteurs publics. La Caisse des dépôts aidera sur les projets d'ensemble qui permettront d'améliorer l'environnement pour les acteurs économiques, pour les entreprises, de façon à les développer dans cette métropole. Et puis, deuxièmement, la BPI, elle, interviendra si nécessaire, en tant qu'investisseur avisé, dans ces mêmes entreprises pour faciliter leur développement. Reims le mérite parce que Reims est une des villes dynamiques. On le voit bien avec des enjeux économiques et sociaux forts. On m'a donné le nombre d'entreprises qui ces dernières années avaient été dans la métropole. C'est plus d'une centaine d'entreprises qui sont venues et nous souhaitons que cela continue et nous souhaitons aussi, avec les entreprises, relever les défis sociaux de la ville de Reims, puisque comme vous le savez, c'est une ville qui a quand même, et c'est important pour la Caisse des dépôts, c'est une ville qui a 45% de logements sociaux. Mais c'est une ville aussi qui a de nombreux atouts sur le plan universitaire, avec des écoles de commerce, avec bien sûr le regroupement des universités, avec Sciences Po, et tout ça qui a vraiment des atouts importants. Invest in Reims.